Mon père, c'est Joseph Fancho. Bien content de venir visiter nos souterrains, Parc Henri, Fossillon. Quel que soit le business en d'un pays, ou tu as aimé faire publicité pour lui, contactez-nous Kounia. Nous-mêmes, au Plus Média Fierté La Kayam, nous avons fait publicité pour vous, nous avons fait une promotion en d'un vidéo. Pas négliger, contactez-nous et puis nous là pour servir. Terrain ça, nous avons balboté, c'est non Parc Henri Fossillon. Parce que Henri Fossillon, c'est un ancien gardien, gardien sélection nationale depuis 1974. C'est un nègre de tous les temps. C'est le plus gros gardien qui passe dans la sélection haïtienne de tous les temps. Et je pense que non, ça a son belle gloire à la pied pour Henri Fossillon comme nègre béné qui te font un paquet de bagages pour le pays, comme ancien ambassadeur pays Haïti. Et je suis député pour Béné. Et moi, en 1979, comme ça, comme c'était député pour Bénin. Et même si c'est toujours là, la vie aux États-Unis. Et je pense que c'est une gloire à pied pour Henri Fossillon. Je vais parler des normes internationales. Son norme internationale au niveau de surface, c'est 90 mètres de longueur, 45 mètres de largeur. Et nous, avons 53 mètres de largeur, ça veut dire dépasser 45 mètres. De la GA et nous avons 90 mètres de longueur. Et nous avons plus gros terrain, c'est 120 mètres de longueur et 90 mètres de la GA. Ça veut dire que nous avons une norme internationale là. Au niveau des Potokan, c'est 7 mètres 32. Nous faisons Potokan à 7 mètres 32. Et de hauteur, c'est 2 mètres 44. Nous faisons là 2 mètres 44. Ça veut dire que nous avons une norme internationale là. Seulement, c'est tracteurs n'a bien besoin qui font passer mes souterrains parce que nous déjà un petit peu l'eau qui est naturelle sous lui. Si nous tracteur passer sous lui, bon, n'a pas à l'aise quand même. Sous lui, ça veut dire n'a pas un terrain football au niveau de surface, quel que soit le club qui a joué sous lui. Et concernant des terrains, ça, c'est un terrain côté nous gain plus que un mois depuis que nous travaillons sur lui. Parce que c'est un bout de terrain LTE. Côté nous avons fait le championnat de la donne, c'est 8 joueurs LTE. Quand nous avons fait terrain football ça à 11 joueurs. Ça veut dire que 11 joueurs, c'est 10 joueurs qui ont joué et un gardien. Et sans c'est un don lié, même s'il est beaucoup officiel par rapport avec la famille Lagué. La famille Lagué, c'est deux mondes qui sont responsables de terrain ça, mais c'est un tel italien. Mais il a toujours payé tel état, de pouvoir payer tel état, même si l'état a voulu prendre, mais il y a un processus pour le passer. Mais en attendant, c'est Mounio qui bat l'espace là, c'est Stéphane Laguerre avec Madame Tiyoyo. Ça y est, il y aura mes activités sociales qui ont fait dans la zone de Nanto. Et il y a des côtés qui ne peuvent pas bailler parce que son bel espace lié, il a fait manger tout le bagage ça y est. Mais au bail espace ça pour nous jouer au football, pour terrain football là. Et l'IJASTE même apparaît là. L'IJASTE c'est une institution qui a fait activité football et dans Bénin. Et j'ai même venu ensemble avec le magistrat Clay. J'ai venu parler ensemble avec M. Lagué qui concernant des espaces ça, ça veut dire que tu fais activité football, pour faire un football, pour faire l'école football, tout. Nous avons même parlé ensemble avec eux, des espaces ça, la plus qu'à faire un football parce que nous n'avons pas assez de terre, comme si vous avez un carreau de terre. C'est là où on a un carreau de terre, c'est là où on fait un jardin. Mais il y a un espace ça pour faire un football, tu as un autre casque qui même qui propose un autre espace, la baille tout près à tout, environ 200 mètres. La baille pour l'école pour faire l'école là. En plus, monde depuis que je viens dans les métiers, je suis toujours allé dans le littoral là, bon côté là, mais j'ai toujours aimé là en pile. Mais je visite, mais mon nom, je n'ai pas fait combat avec monde qui vient visiter là. Mais par rapport avec route là, tout le monde qui est route, ça veut dire pour monde plus et fréquenter zone là. Si tu as une route, l'État te fait route. Mais c'est une zone pour l'État prendre en conséquence, prendre en main, ça veut dire pour. Vous êtes à faire route là, touristes qui viennent visiter zone là. En plus, monde qui passe dans zone là, il y aurait même zone là. Et c'est une zone qui pose, c'est une zone qui bat en pile mango tout. Et les mitailles, c'est un côté qui bat en pile mango dans Bénin. Et il y a de l'eau douce parce que nous avons un captage, nous faisons là, c'est tout près. C'est toujours dans la même habitation, les mitailles là, pour nous venir tout près de Mounio. Et le captage, ça a marché ensemble avec là. Quand environ un bras venir là, Mounio a gagné de l'eau la caillou pour servir. Ça veut dire de l'eau nécessaire pour Mounio.
et je pense qu'il y a besoin de l'eau quand même. Je vais venir. Le championnat, ouverture championnat, c'est le 23 juillet 2022. Et nous avons inauguré le terrain tout pour nous balpoter nos parcs en réfonction. Et nous avons besoin d'un pile de monde, d'un pile de dirigeants dans le Bénin tout pour courir l'activité. Nous avons besoin de moyens tout et pour aider nous tout concernant le championnat. Parce que nous avons environ un mois là, depuis qu'il y a travail sur le terrain pour nous payer le monde, pour nous manger. À travailler sur terrain là pour nous mettre terrain à niveau ça tout c'est quelques monde qui dans communauté à ça à l'étranger tout qui ba écoute mais tout avec quelques monde qui dans groupe Bénin pour nous tout et m'ta encourager tout monde Bénin et dans arrondissement tout aider nous parce que et terrain football là et la paix c'est tout pour tout Bénin lié c'est pas pour les métagiers parce que terrain football ça l'a regardé dans Bénin pas vraiment terrain football réglementaire c'est 8 joueurs qui a fait sur yo. Mettre un football ça si bien un club qui a venu jouer ensemble avec lui ou bien on l'autre commune qui a venu jouer ensemble bien et terrain football là n'a pas recevoir quelque soit commune dans tout et je pense que c'est à cause pas un bon terrain football qui fait bien pour un club qui dans première division mais dans deuxième troisième division je pense que si tu as un terrain football et je pense que d'ab gagnon un club dans première division parce que nous gain talent là mais c'est nous pas exploiter au vrai. Et je pense avec talent qui est bien, nous devons exploiter mon ça. Ok, moi merci, c'est moi pour remercier. Rendez-vous voir ce 23 juillet à 4h pour inaugurer le terrain. Tout le monde vient en foule. Les pas cher, c'est 25 gouttes. Ça veut dire que nous connaissons bien Varien Cob. 25 gouttes d'entrée. Nous avons bien animation, nous avons bien l'activité. Nous avons fait là pour jouer ça au petit championnat de football. La caille, c'est la caille.